Monde, bienvenue à la séance du Conseil du 29 septembre 2020, 19h30. Alors, aujourd'hui, nous allons adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des changements? Est-ce qu'il y en a qui ont des variants à faire? En fait, moi, c'est beau. Je vais juste en amener un. J'ai remarqué que les maisons avaient été démolies. Fait que je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus sur les maisons qui sont sur Saint-Eugène. Outre ça, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par? Proposée par qui? Par Sylvie Falardeau. Appuyée par André Laliberté. Merci beaucoup. Et avant de démarrer, je voudrais parler des élections partielles qui ont eu lieu dimanche passé. On a eu un taux de participation supérieur, très peu, mais quand même supérieur à 2017. Alors, ça veut dire que le monde a eu confiance en nos sécurités qui avaient été faites, les mesures qui ont été prises, et toute l'équipe qui a travaillé, autant ici à l'interne que les employés. Ça a été vraiment un franc succès. On a eu des super bons commentaires. Alors, en espérant que tout se poursuive pour le mieux dimanche prochain. Une petite aparté avant de commencer. Madame Papillon, est-ce qu'on voulait adresser nos félicitations à l'organisation? À l'unanimité? Oui. Absolument, absolument. Et bon repos après les élections. Alors, le point 3 maintenant, une demande d'autorisation afin d'utiliser les terrains du ministère de Transport du Québec. Quand j'ai pris la chaise de M. Laranger, il y avait été question de deux dossiers, entre autres, le dossier justement des terrains et des sentiers du MTQ et le dossier... des sacs de sable, si on peut appeler ça de même. Alors, j'ai rencontré cet été M. Éric Kerr. On a discuté, savoir comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour être en mesure d'avoir une autorisation pour utiliser ces sentiers-là, de façon que ce soit aménagé pour que tous les citoyens puissent s'en servir et en assurant de ne pas faire rien de solide sur les sentiers pour que si, dans 50 ans, le ministère des Transports décidait de reprendre ces sentiers-là, bien qu'il y aurait accès sans que ce soit des grosses structures à démolir. Alors, M. Kerr m'a rappelé la semaine dernière, et la meilleure façon, c'est d'y aller par résolution, d'envoyer une demande au MTQ, à M. Bonnardel, en bonne et due forme, pour être en mesure d'avoir l'autorisation d'utiliser, comme le jardin communautaire, les sentiers du MTQ. Alors, nous allons faire la résolution à l'unanimité, si tout le monde est d'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, je suis d'accord, mais comme l'a bien exprimé Mme Papillon, dans le fond, on fait juste renouveler ce qui existait déjà. Là. Fait que, on ajoute la portion sentier, mais le jardin communautaire là, était déjà dans Comme le jardin communautaire. Absolument, chose, absolument. Alors, si tout ça est entériné par le MTQ, bien, nous aurons tout le loisir nécessaire pour l'aménagement, en s'assurant qu'il n'y ait pas de structure solide, il n'y aura pas de condo là-dessus, puis il n'y aura pas de... Il n'y aura rien en béton, il n'y aura rien en béton. Personne ne peut être contre ça. Ça favorise la mobilité active. En espérant avoir une réponse dans les meilleurs délais du MTQ. Oui. Ben là, j'ai pas de doute. C'est bon. Point 4, nomination de M. André Laliberté en remplacement de M. Pajot. M. Pajot était sur le comité du RTC, comme il a démissionné pour la campagne à la mairie. Il reste un an à ce mandat-ci d'élection, alors on pourrait nommer M. Laliberté pour un... Ben, en fait, ce n'est pas nous qui allons le nommer, on va le recommander. Et c'est l'aglo à la Ville de Québec qui s'assure de faire les nominations officielles. Il pourrait terminer le mandat de M. Pajot. Et l'année prochaine, ben, il y aurait un réajustement à savoir si ce sera l'ancienne Lorette qui sera assis à la table ou Saint-Augustin. Mais pour la dernière année, on pourrait nommer M. André Laliberté si l'aglo... Et d'accord, la manière de faire, c'est qu'on fait une résolution, on envoie ça à l'aglo, puis le processus va suivre son cours. J'accepte. D'accord. À l'unanimité aussi, tant qu'à faire? Unanime, je suis d'accord. Oui, d'accord, oui. Parfait. À la direction générale, lettre d'entente relative à l'intégration du poste de secrétaire à la direction générale et du cabinet du maire. Est-ce que, M. Rousseau, tu veux expliquer cette lettre d'entente-là? Certainement. En fait, c'est assez simple. C'est que la fonction de Mme Chantal Quentin a été appelée à être modifiée au cours des dernières années. Et elle effectue beaucoup plus de tâches et de responsabilités. Et compte tenu de cette réalité-là, il y a lieu de signer une lettre d'entente avec le syndicat pour majorer son salaire. Et elle va gagner annuellement environ 2 500 $ de plus par année. Et ça donnera lieu d'ailleurs à une discussion ultérieurement avec le syndicat au courant de l'été pour finaliser le tout. Et, par contre, pour le moment, une lettre d'entente pour permettre de modifier le salaire.
Est-ce que je comprends que le syndicat a déjà été approché puis est en accord avec la démarche qui est en cours? Oui, le syndicat est en accord. Et ce soir, bien, ce que vous m'autorisez, c'est la signature de la lettre d'entente. Et ça va être rétroactif au 1er janvier 2020. Alors, j'irai toujours à l'unanimité pour ce dossier-là aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui, toujours d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup. J'ai oublié, je vous avais dit, j'avais 2020 qui se termine. Ouais. Puis 1er janvier. J'avais dit que je voulais faire un petit aparté sur les maisons qui ont été démolies sur Saint-Eugène. La Ville de Québec, quand ils nous ont rencontrés en juin, nous avait dit qu'ils allaient vraiment le faire en début d'automne. Ça a été fait, je suis allée voir les terrains et ça m'a même donné une idée. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas tout comment ça va aller, mais l'emplacement est tellement beau pour peut-être faire un parc dans le coin. Il y a zéro parc d'enfants. En tout cas, j'ai juste vu ça puis j'ai dit « Ah, ben c'est donc bien cute ». Alors, à suivre dans la démarche, mais je pense que ça pourrait être… Mme Papillon, c'est une très belle idée. Oui, oui, je vais vous appuyer dans cette idée-là. Mais c'est pas nos terrains, c'est ça, c'est pour ça que j'ai un petit bémol. C'est encore comme le concept du MTQ, si on peut l'aménager en surface. Absolument. Fait que si jamais ils veulent faire quelque chose autre, ben, ça ne sera pas compliqué à retirer. Là. Absolument. Alors, on va travailler ce dossier-là, mais je pense que les jeunes familles dans le coin seraient bien contents aussi d'avoir… tout ça à portée de main. Ça manque dans le coin. OK, excusez, je reviens. Greffe et contentieux de l'approbation du procès verbal du 25 août. Est-ce que tout ça était conforme? Est-ce que tout le monde a des questions ou tout était beau? C'est conforme pour moi. Oui, c'est conforme. Qui propose? Oui, conforme. Je propose. Jean Guérard. J'appuie. André Laliberté. Merci. Embauche d'une agente de communication. Alors, Mme Larouche, est-ce que tu es là ce soir? André, non, Mme Larouche, elle n'assiste pas à la rencontre ce soir. OK. Ah. André, est-ce que tu veux le faire ou je le fais? Vous pouvez y aller si vous voulez, je compléterai. Là. D'accord. Alors, il y a eu un nouveau poste qui s'est créé aux communications parce que notre directrice vraiment déborde. Et comme on sait que tout converge vers les communications et tout grossit vers les communications, on a eu 200 quelques CV. On a eu des candidats vraiment extraordinaires et finalement, on a arrêté sur Mme Audrey-Anne Derry, qui, elle, va commencer le 12 octobre et a un taux horaire de 27,41. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Qui propose? Proposé. Quel nom? Sylvie Falardeau. Merci. J'appuie André Laliberté. Merci beaucoup. Embauche d'un nouveau membre au personnel aquatique. Alors, c'est Monsieur Ryan Fizette. Monsieur Fizette est à un taux horaire de 14,31. Et j'imagine que c'est, oui, c'est occasionnel et non un poste permanent. Personnel aquatique, ça bouge allègrement. Alors, souvent, presque toutes les séances, on a du monde à engager ce niveau-là. Est-ce que tout. On a un proposeur. Je propose Charles Guérard. J'appuie André Laliberté. Merci beaucoup. Autorisation de prolonger l'entente relative à la fourniture des biens et services en matière des TI avec la Ville de Québec. À chaque année, on renouvelle ces ententes-là. Alors, le coût annuel est de 320 000. Je recommande d'adopter du 31 décembre, excusez-moi, je vais vous lire l'article. L'article 13 de l'entente prévoit un droit de prolonger cette entente de 24 mois aux mêmes conditions. Nous devons signifier notre intention de prolonger l'entente 90 jours avant le 31 décembre 2020. Alors, ce qui est proposé, c'est d'y aller pour un an. Proposé, c'est lui, Falardeau. Appuyé, c'est pour Mme Papillon, c'est pour 2 ans. Le prolongement, non? Mais oui, je viens de le dire, 24 mois. Ans, ouais. Merci 24 beaucoup. 24 mois. Ben puis oui. La somme de 320 000 est sujette à variation, tout dépendamment des services qu'on va demander supplémentaires, excédentaires au contrat. Parfait. Embauche de préposé de plateau. Alors, est-ce que j'ai le nom du préposé de plateau? Non? Excusez-moi. Oui. Le présent rapport pour le prochain, M. Pierre Labrie, domicilié au 16-17, Michael Chassé. Sarah Beaulieu, sur le rôle Fred, Claudie Ferland, ainsi que Mme Sarah-Pierre Paquette. Il sera embauché à titre de préposé de plateau pour le service des loisirs. Compte tenu des besoins, Mme Labrie pourrait faire 10 heures par semaine, M. Chassé environ 15 heures, Mme Beaulieu une quinzaine d'heures, Mme Ferland environ 8 heures et Mme Paquette aux alentours de 9 heures par semaine. Tout ce monde-là est engagé au taux horaire de 13,10 $. Propose. Je propose André Laliberté. J'appuie Charles Guérard.
Merci. Urbanisme, M. Philippe. Nomination de nouveaux membres et de président de comité. Oui, donc il faut se rappeler que depuis le mois de mai, on est dans un processus là, pour un peu là, reconstruire notre comité consultatif d'urbanisme suite au départ de M. Baribeau, qui était le président là, du comité. On propose un sixième membre citoyen, un cinquième membre, un sixième membre dans le comité, qui est Christian Lloyd, arpenteur de formation. Et on a besoin d'un nouveau président. Donc, on propose Éric Lacourcière, qui est un membre là, au comité consultatif d'urbanisme depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Voilà. Qui propose? Proposé, c'est Sylvie Falardeau. Seconde? Je seconde, Charles Guérard. Merci. Philippe, un rapport aussi pour l'embauche relative à l'utilisation et au partage des frais d'entretien de stationnement de la ville. Bibliothèque du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2021. Oui, donc à chaque année, on fait un renouvellement du stationnement qui est au niveau de la bibliothèque. Il y a trois entreprises qui l'utilisent. Il y a la banque, le Resto Richard et la Plaza Saint-Jean qui utilisent le stationnement pour des cases excédentaires. Donc, on a une entente qu'on signe à chaque année avec ces commerces-là, et ils remettent de l'argent à la ville pour l'entretien du stationnement. D'accord. L'argent, donc, c'est un renouvellement, là, comme à chaque année. À chaque année. C'est beau. Ouais. Alors, on peut dire que Plaza Saint-Jacques, 4 856,72 pour 55 cases. Caisse populaire des Jardins, 3 973,68 pour 45 cases. Et on a Resto Richard, 10 cases, 883,04. Alors, qui propose? Je propose. José Ossio. Parfait. Ah, seconde. Je seconde. André Laliberté. OK. Travaux. Ça couvre nos frais, ça. Les montants qui sont. Le montant Toto, là, ça couvre tout le détail de l'estimation. C'est une partie, dans le fond. Ah. Il y a 40 % des frais qui sont payés par la municipalité pour le stationnement. Parce que oh oui, c'est juste nécessairement, il est utilisé aussi pour la bibliothèque, pour le point de service, pour l'église. Et il y a une autre partie résiduelle qui est payée par ces commerçants-là. Okay. Donc, c'est un calcul qui a été fait il y a quelques années et on fait juste indexer le coût à chaque année, tout simplement. Merci beaucoup. Les montants qu'on vous a donnés, c'est des montants annuels aussi. Et puis, l'entente ici, c'est pour 2 ans. Hein? OK. J'imagine que la deuxième année, elle va être indexée selon le coût de la vie. C'est ça. Merci. C'est beau. OK, rapport pour des travaux publics. Monsieur Caouette, bonsoir à vous. Je vais vous présenter à la ville de la Seine-Lorette. Je crois qu'on ne vous a pas encore présenté officiellement. Monsieur Bernard Caouette est notre nouveau procureur au contentieux. Et ce soir, il fait aussi office de greffier en remplacement de Marie-Hélène, qui est occupée avec les élections. On ne le voit pas. Est-ce qu'on peut voir, Monsieur Caouette, comment ça fonctionne? Il faut que quoi? Tu vas prendre la parole. On va. OK, il va prendre la parole. Oui, voilà. Alors, je prends la parole. Je vous remercie de la présentation, Mme Papillon. Ça me fait plaisir de rencontrer les membres présents du conseil. Je suis très heureux de mon nouvel emploi. Je m'y plais beaucoup. Et je suis ce soir à votre service à titre de greffier adjoint. Merci. Est-ce que vous voulez aussi nous présenter le projet, l'aménagement du parc de la Rigolade, le dossier, le rapport qui a été émis? Oui, essentiellement, c'est un dossier pour lequel vous étiez allé en appel d'offres et malheureusement, les soumissions obtenues lors d'un premier appel d'offres excédaient la somme de 100 000 $. Alors, vous avez dû faire à nouveau un nouvel appel d'offres et cette fois-ci, les soumissions ont sorti à 150 000 $. Le document d'appel d'offres mentionnait que les entrepreneurs devaient tenir compte de la COVID-19 et ne pouvait pas réclamer d'augmentation de coûts. Alors, j'ai l'impression qu'en raison de la main-d'œuvre qui est difficile à trouver, ils se sont protégés beaucoup. Et la plus basse des soumissions a sorti à l'ordre d'environ 150 000 $, ce qui excède donc de 50 000 $ ce que vous aviez prévu et budgété pour l'année en cours. Dans ce contexte-là, l'appel d'offres prévoit que la Ville ne s'engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.
J'ai eu une discussion avec Éric Ferland à ce sujet-là et on était tous les deux d'avis que si la Ville souhaitait ne retenir aucune soumission, en reprenant un document d'appel d'offres à partir du mois de février ou mars 2021, on aurait des chances d'obtenir des meilleures soumissions. C'est ce qu'on voit assez régulièrement. En fin d'année, en fait, comme on est présentement, les carnets de commandes sont pleins. Les soumissionnaires sont moins intéressés ou ont moins faim, alors que si on refait un appel d'offres au printemps, on a des chances d'en attirer qui vont vouloir débuter un carnet de commandes et être plus compétitifs. Alors, vous avez donc une décision à prendre ce soir d'accepter la plus basse soumission, mais qui vous amènera un excédent budgétaire, de rejeter toutes les soumissions et éventuellement de reprendre le processus de soumission au printemps 2021. C'est un exercice que vous aurez à faire lorsque vous allez préparer l'adoption de votre budget pour voir si vous prévoyez les crédits pour le faire. Merci. En fait, ce qui avait été convenu la semaine passée, on a eu ce rapport-là, et vu la différence vraiment d'argent qui... C'est-tu quoi qui résonne? Excusez. Vu vraiment la différence qui était vraiment importante, on avait convenu... l'ensemble de l'équipe, de reporter cette décision-là au printemps pour aller en soumission en espérant à la baisse. Sinon, bien, on prévoira le montant nécessaire au budget. On essaiera d'en mettre plus que prévu, que nécessaire pour couvrir les faits. Alors, on était d'accord à l'unanimité. Est-ce que ça est toujours maintenu? André, vas-y, oui. Oui, c'est juste pour apporter une précision aussi. L'estimation avait été validée. Ça avait été vérifié aussi, l'estimation. Ça n'a pas été un chiffre lancé dans les airs comme ça, là. J'imagine, là... J'ai la réponse, ça, c'est M. Carrette. Oui, effectivement, ça a été vérifié. Une première estimation était à 70 000. Les meilleurs prix excédaient 100 000, ce qui nécessitait de retourner en appel d'offres public. Et cette fois-là, le prix avait été révisé à la hausse, autour de 100 000, mais malheureusement, il a sorti à 150 000. Attends, je pense vraiment que l'écart est dû au fait que les entrepreneurs ont vraiment de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre puis ont probablement prévu payer taux demi ou taux double ou enfin se sont mis une ceinture et des bretelles pour protéger. Mm-hmm. Mais il y avait eu une estimation qui avait été faite, effectivement. Puis on faisait les deux projets en même temps parce que pour avoir les meilleures soumissions possibles en ayant les deux projets, normalement, c'était plus avantageux, là. Madame Papillon, là, vous parlez de deux projets, mais pour le bénéfice des citoyens, est-ce que vous voulez mentionner c'est quoi l'autre projet? Bien, c'est le sentier et le parc de la Rigolade. En fait, c'est le lien piétonnier entre la rue Jean-Daumien et la rue de l'Espérance, qui est un autre projet parce que ce lien-là est dangereux, il est délabré, donc exact. il faut le sécuriser. Mais comme que les deux projets sont... très près, les fonctionnaires ont estimé qu'on pouvait avoir un meilleur prix si on regroupait ces deux projets-là. Exact. Donc, quand on a eu cette approche-là, c'était vraiment dans l'esprit d'avoir un meilleur prix. Si je peux rassurer aussi les gens et compléter, ce projet-là, oui, on met fin à l'appel d'offres, mais on ne met pas fin au projet. Donc, on fait juste décaler de quelques mois, mais dans toutes les discussions que j'ai eues avec les membres du conseil, on a une volonté d'aller de l'avant dans ce projet-là. Absolument. Donc, c'est clair dans ma tête. Donc, on parle de ce projet-là a deux phases. Une phase 1 pour sécuriser les lieux qui étaient supposés avoir lieu cette année. On reporte tôt au printemps l'année prochaine, mais la phase 2 peut toujours avoir lieu à l'été prochain également. Exact. C'est un tracé aussi qui est étagé. Donc, c'est la difficulté. C'est sûr que ce n'est pas un petit projet, là. Alors, est-ce qu'on maintient que c'est à l'unanimité la décision qu'on prend de reporter au printemps prochain? Ben en fait, au budget. Ouais, de rejeter. De rejeter. Puis on s'engage à reporter ouais. À l'unanimité toujours? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et je voudrais juste terminer là-dessus. C'est moi, pour répondre aux inquiétudes des gens que j'ai déjà vues sur les réseaux sociaux là, actuellement, là, d'aller aussi, consulter mon Facebook sur ma page de conseiller municipal. Et je vais mettre un peu de détails sur pourquoi on en est rendu là. Fait que je vais avoir un post à ce sujet-là. C'est bon. OK, prochain point, remplacement de l'unité de climatisation centre communautaire. Alors, on est allé en soumission. Il faut le remplacer, il est complètement désuet, il est brisé. Il aurait coûté beaucoup plus cher à essayer de réparer qu'à remplacer. Alors, M. Rousseau, vous pouvez expliquer le dit dossier? Oui, certainement. Bien, comme vous venez de le mentionner, en fait, l'unité de climatisation était rendue au bout de son âge utile.
il aurait été trop dispendieux de le réparer. En fait, impossible de le faire. Et le plus bas soumissionnaire conforme est Groupe Noël au montant de 62 661,38 taxes incluses. Et les travaux devraient se faire ici le début de l'hiver. C'est-à-dire qu'évidemment, pour s'assurer du confort des usagers. C'est vrai que pour l'instant, ça va être fini, l'acclimatiser, mais il va être pratique le printemps prochain. Mal. Alors, qui propose? Je propose André Laliberté. Secondé, c'est Louis Falardeau. Merci. Demande de carte de crédit pour M. Félix Garon, qui est contremaître. Alors, une carte de crédit qui aura une limite totale de 2 500. Et c'est des cartes de crédit qui sont allouées au contremaître et au directeur. C'est bien ça, M. Rousseau? Oui, effectivement, c'est dans le cadre de leur exercice, l'exercice de leur travail en situation d'urgence. Il arrive des fois les soirs de semaine et les fins de semaine qu'ils doivent acquérir les équipements, matériaux, peu importe. Et la limite est fixée à 2 500. Les contremaîtres utilisent très peu souvent la carte de crédit, mais c'est nécessaire dans le cadre de l'exercice de leur travail. Parfait. Qui propose? Je propose José Ossio. Secondé par? J'appuie, oui, secondé par André Laliberté. Merci beaucoup. Trésorerie, est-ce que nous avons des questions concernant les comptes à payer? Pour moi, tout est conforme. Mon dos, Annick, c'est vraiment tranquille ce soir, t'es chanceuse? Effectivement, hein? Mais on avait une petite liste de comptes à payer, oui, seulement une page. C'est la première fois que je voyais une liste aussi courte que ça. On dirait que t'es sûr que tu n'as pas oublié, tout est correct? Non, on dépense. Technicienne est en vacances, donc au mois d'août, elle n'a pas. Ah, c'est bon. Pas de frais d'avocat, pas rien. Alors, qui propose le compte à payer? Je propose André Laliberté. J'appuie Charles Guérard. Parfait. Est-ce qu'entre conseillers, il y a des questions? Moi, j'aurais pas nécessairement une question, mais je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Mme Papillon. Qui a agi comme maire par intérim, avec brio, à pied levé aussi. Oui. Alors, je sais l'ouvrage que ça implique, donc je veux la remercier et je pense qu'on pourrait la féliciter unanimement. J'appuie, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Papillon, pour... Merci. Merci infiniment, c'était parfait. Merci beaucoup. Hey, c'est pas la première fois, c'est vrai, mais je dois aussi dire que je suis contente, finalement, qu'on soit tous ici parce qu'au début... On pensait le faire par Zoom, tout le monde, puis moi toute seule ici. Puis je me disais, Émile, le 6 mois, c'est exactement cette situation-là qu'il avait vécue. Puis ça ne me tentait pas tant d'avoir le même contexte. Alors, contente qu'on soit tous réunis. Merci. Pas d'autres questions de la part des conseillers? D'autres commentaires? J'y vais pour les questions. Oui, si vous permettez, Mme Papillon, vous aviez mentionné vouloir discuter de la démolition des maisons au point divers. Je ne sais pas si vous aviez... tout dit ce que vous avez à dire dans l'introduction ou si vous vouliez y revenir. Bien, en fait, ce que j'ai dit, c'est que je suis allée voir que le travail avait été fait. Puis quand j'ai vu l'état des terrains, ça m'a fait comme dire, ce serait le fun d'installer un parc. Mais comme les terrains ne nous appartiennent pas, on va faire des démarches auprès de la Ville de Québec, de l'Aglo, pour voir si on peut les aménager temporairement, comme on fait avec la MTQ, avec les sentiers. C'est bon, M. Caouette? Est-ce que je peux poursuivre? Oui. Oui. Dans le fond, le 30 juin, le conseil, on avait annoncé qu'il allait avoir des bancs, poubelles et tables là, qui s'en viennent, qu'on allait faire l'acquisition. C'est pas perdu dans l'idée, là. Ça va avoir lieu au mois d'octobre, au cours du mois d'octobre. Je viens de mentionner ça. Les travaux. Vous avez vu que les trous étaient faits, hein, pour les tables? Il y a des. Oui, on voit que les travaux ont commencé, effectivement. Ouais. Mais il va y en avoir dans tous les parcs puis dans les sentiers également. Là. Absolument. Vous entrez de sentier, oui. Également, là, je voulais juste souligner aussi la fin des travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Sur une partie, hein, M. Guérard, pas tout. Il en reste un autre bout qui n'est pas fait. Le bout qui était plus en surface, qui était prévu au début de l'été, là. Donc, ça a été plus long que prévu, mais on est satisfait des résultats. Ensuite de ça, je voulais également féliciter l'École bleue pour l'excellent travail qu'ils ont fait dans la réalisation des prolongations des sentiers. Moi, c'est un élément que les citoyens me parlent beaucoup. Donc, moi, je le marche également. Là, fait qu'un gros merci au Col Bleu à cet effet. Oui. En même temps aussi, au niveau des sentiers, là, la phase 2 dans le parc de la rivière a été complétée aussi récemment. Puis, allez-y, c'est en arrière des tennis, là, surtout. Là. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui va dans ce coin-là. Donc, c'est une partie du parc qui va être très intéressante. Puis, avec les plantations aussi, allez voir mes plantations. Est-ce que la signalisation est faite? C'est-tu installé, la signalisation? Non, ça n'a pas été installé. Ça devait? C'était budgété?
Oui, mais c'est pas. Ça peut être encore, c'est en cours de réalisation. Prochainement, on avant va procéder à l'installation de cette signalisation-là. Avant l'hiver, ouais, avant l'hiver. Avant l'hiver. On l'espère, oui. Éric Ferland est en train de travailler sur le dossier, puis il m'a mentionné que normalement, ça devrait se faire d'ici la sécurité, le début de l'hiver. Super. D'autres commentaires? Ou j'arrive avec les questions des citoyens? Dans le fond, moi, j'aurais aimé faire un suivi avec la rivière Lorette, mais j'ai vu passer une question en lien du regroupement des sinistrés. Là, fait que je vais vous laisser faire la lecture. OK. C'est exactement la première. André, as-tu autre chose? Madame Josée, c'est correct? Oui. OK. Alors, les questions des citoyens, je les lis par ordre d'arrivée. La première est arrivée le 28 septembre, 21h. Alors, la mise à contexte. À la séance du 30 juin dernier, suite à l'intervention d'un des membres du Conseil, Lord Duveria, Mme Papillon, maire par intérim, a pris l'engagement de correspondre avec la ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour mettre de la pression afin d'accélérer le début des travaux de pérennisation des mesures temporaires de protection de la rivière Lorette. Comme certains seraient portés à le croire, ce projet ne concerne pas seulement les sacs de sable sur le territoire de l'ancienne Lorette, mais bien un concept d'envergure de remodelage des berges sur le territoire des villes de Québec et de l'ancienne Lorette. Ce projet en sera à sa troisième version et espérons-le la bonne. Mme Papillon a aussi eu des échanges cet été avec la mairie de Québec et des membres du comité exécutif de la Ville de Québec au conseil d'agglomération sur ce même sujet. Puisque le projet est piloté par l'aglo, donc majoritairement la Ville de Québec, ça c'était la mise en contexte. Question. Serait-il possible de savoir s'il y a eu du développement à la suite de ces deux interventions afin de voir enfin le début de ces travaux d'envergure pour la protection des riverains de la rivière Lorette à Québec et à l'ancienne Lorette? Merci beaucoup et félicitations à moi-même pour mon travail. Bon, merci, ça c'est parfait. Oui, j'ai écrit au ministre Choquette, il m'a répondu et il m'a exactement répondu ce que la GLO nous avait dit en juin à l'environnement. Comment ça? Je l'ai-tu bêtisé, moi? Charette. Benoît Charette. Je l'ai baptisé. Désolé, M. Charette. Alors, ce qu'il me répondait, c'est exactement ce que l'aglo nous avait confirmé en juin. Ils sont à leur troisième demande, et là, ça devrait être la bonne. Ce projet-là est en trois phases. Cet été, ils ont réalisé la phase du pont de l'accueil. Ça, ça s'est fait cet été. Et là, la construction du canal des crues, il devrait normalement, il nous avait dit qu'il viendrait nous voir cet automne pour nous donner les dates. Alors ça, présentement, je n'ai pas eu d'autres confirmations, mais je n'ai pas eu d'indication comme de quoi c'était changé non plus. Il serait rendu à l'étape pour le canal des crues et la dernière phase, qui est la pérennisation, qui est prévue, qui nous avait dit 22-23, mais je n'ai pas eu d'autres informations que ça. Alors, je pourrais peut-être les relancer, octobre arrive, voir s'ils ont toujours dans leur agenda de nous rencontrer à nouveau pour nous donner les dates. Ça, c'est des projets en aval, ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Hein? Alors, le dossier n'est pas mort. On a fait les démarches, on a fait les demandes et on va suivre ça pour cet automne, à savoir s'ils vont venir nous voir pour la suite des travaux. Deuxième question, le 29 septembre à 9h49 ce matin. Monsieur René Derry. Question des travaux ont actuellement lieu sur Saint-Jean-Baptiste-Parisien. Depuis le début de ces travaux, beaucoup de véhicules lourds, gros camions, loaders, camionnettes, circulent régulièrement à une vitesse élevée sur les rues de Courtrai pour se rendre sur Parisien à leur poste de gestion travail. Est-il possible d'effectuer une vérification et avertissement pour que la vitesse soit limitée sur les rues de Courtrai, compte tenu que de nombreux enfants y habitent? Évidemment, on va faire des rappels parce que si ça va vite, t'as passé là? Monsieur Rousseau, c'est possible, j'imagine, d'intervenir auprès de la compagnie et dire le levez-le-pied? Certainement. Ça va se faire très rapidement au courant de la journée de demain. Merci beaucoup. Madame Marie-Pierre Breton, 29 septembre, 13h27. Question. Nous sommes deux citoyennes impliquées pour le projet d'amélioration du parc de la Rigolade. Comment se fait-il que nous ayons eu deux rencontres avec la Ville en septembre, que tout semblait positif et sur la bonne voie, mais que nous sommes informés ce soir... mais que nous sommes informés ce soir en même temps que tous les autres citoyens du rejet des soumissions pour les travaux de sécurité au parc. Une belle ouverture est présente dans le comité de travail. Nous ne demandons rien de mieux que de cette belle collaboration continue. Mais quand on en a parlé la semaine passée, je croyais que Charles ferait le suivi parce que vraiment, c'est Charles qui est dans le dossier. Mais je sais que vous avez rencontré M. Philippe, puis M. Philippe, vous avez mis au courant aussi hier. Et là, je crois qu'avec toute la mise en place ce soir,
tout a été éclairci. Puis on ne veut pas tasser personne, il n'y en a pas question. Parfait. C'est juste un oubli, j'imagine, mais il n'y a pas question qu'on tasse ça, puis il n'y a pas de cachette à ce niveau-là pour aucun cas dans les parcs. Si je peux compléter. Oui. J'en avais fait mention là, lorsque j'ai rencontré là, les deux citoyennes. Peut-être que ce n'était pas assez clair. Peut-être que mon information n'était peut-être pas assez claire, mais j'avais fait une mention, là, effectivement, là, que les soumissions étaient plus élevées qu'on pensait. Donc, voilà. Exact. On a juste oublié la semaine passée de boucler, mais il n'y a pas de cachette. Okay. Surtout pas, on faisait la présentation ce soir officiellement, de toute façon. C'est ça. D'abord, moi, j'étais surpris. En tout cas, moi, j'étais pas au courant de ça. Je ne savais pas qu'on allait l'annoncer ce soir là, à la séance du conseil. Mais c'est sûr que c'était dans mon intention d'informer les citoyens en question là, le suivi du projet. Comme vous dites, il n'y a pas de cachette, puis c'est juste une question de circonstances. Là. Absolument. De toute façon, je pense que monsieur, ils vous connaissent amplement, Charles, pour savoir qu'il n'y avait pas de cachette là-dedans. Mm-hmm. OK. Une autre question de monsieur Benoît Daigle, arrivé à 16h21. Monsieur Daigle, le 2207 rue Saint-Jean-Baptiste. Pour le parc de la Rigolade et à titre de membre du regroupement, j'aimerais savoir pourquoi joindre deux projets distincts ensemble. Est-ce une stratégie pour faire avorter le projet d'amélioration? Non, pas du tout. Comme on a expliqué tout à l'heure, les subventions sont faites ensemble. Et le parc de la Rigolade, pour le fun, lui, est estimé à 44 000 et la soumission est sortie à 69 000. Et le sentier, lui, avait été estimé à 60 000 et il est sorti à 61 008. Mais on ne peut pas défaire un pour faire l'autre. Il faut que ce soit l'ensemble. Alors, mais c'est pourquoi c'est ensemble? Pour normalement avoir des meilleurs rapports qualité-prix, un meilleur service. C'est les concepteurs, les architectes qui avaient fait les estimés aussi, hein? Mais bref, c'était pour une question d'économie d'échelle, premièrement. Puis, mais par contre, il y a une volonté du conseil d'aller de l'avant pour ces deux projets-là. Donc, c'est pas une question. Oui. Alors, Annick, je suis rendue aux questions en direct. Oui, parfait. Donc, on a trois questions. Hein? Oui. La première provient de Carl Lavoie. Il dit, vous avez constaté l'état des escaliers. Il parlait de l'escalier du parc de la Rigolade. Hein? Il dit « Combien coûterait une poursuite pour négligence si quelqu'un se blesse à la suite du refus de la Ville de procéder pour la sécurité? Hein? » Peut-être que Mme Papillon, je pourrais répondre. Oui, s'il vous plaît, parce que… Oui. Évidemment, lorsqu'on a constaté la piètre état, parce qu'effectivement, ce n'est pas un escalier qui est en super de bon état, on l'a sécurisé. Ça veut dire qu'au moment qu'on se parle, jusqu'à preuve du contraire, l'escalier est sécuritaire. Et évidemment, on va la maintenir en bon état jusqu'à la réfection jusqu'à sa réfection l'an prochain. Parfait, merci. Une autre question? Oui, donc, deuxième question provenant de Martin Trudel. Hein. Oui. Est-ce que le poste de conseiller laissé vacant par Gaétan Pajot restera vacant jusqu'à l'automne 2021? Absolument. Si oui, qui reprendra les dossiers du district 1? Hein? Bien, ça va être tout l'ensemble du conseil. Il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas un citoyen qui va te laisser pour compte. Je ne suis plus Saint-Jean-Baptiste depuis 6 mois, puis il n'y a pas de dossier qui ont été laissés pour compte. Ce sera le même principe pour M. Pajot, son district. Donc, question 3 de Jean-Claude Boivin. Hein? Oui. Est-ce que le comité de circulation où siègent M. Laliberté et M. Guérard va se mettre bientôt des recommandations pour le contrôle de la vitesse dans les rues? Hein? En fait, il y avait un premier rapport qui a été émis. Et on avait dit qu'on le tassait parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits. Il y a eu les vacances et là, il y a eu les élections. Mais le dossier n'est pas tombé mort et effectivement, il y aura une suite à ce dossier-là. Si je peux compléter aussi, Monsieur Boivin, là, il n'y a pas de comité de circulation. Je pense que c'est un petit lapsus qu'on fait souvent, là, mais on m'avait demandé avec Monsieur Laliberté de produire un rapport. Je l'ai produit à l'intérieur de 2 semaines. J'ai déposé au conseil et là, ensuite, c'est le conseil qui suit selon... le contexte qu'on a actuellement. Là. Exact. Oh oui, ça chemine. Des études de circulation, ça se fait sur une période de temps un petit peu plus longue, là, surtout avec tout ce qu'on a vécu, les travaux, puis cet été, là, avec la quantité de travaux qu'il y a eu. Donc, on va laisser se calmer un petit peu, puis on va voir le normal. Lorsque le normal revient, là, on va être plus en mesure de prendre des bonnes décisions, là, je pense. Et Saint-Olivier devrait se libérer un peu, en tout cas, on le souhaite, là. Saint-Jean-Baptiste étant réouvert, bien, Saint-Olivier devrait avoir un flot un petit peu au ralenti. D'autres questions, Mme Annick? Il n'y a pas d'autres questions. Par contre, il y a un commentaire de Mme Marie-Pierre Breton. Hein? Merci beaucoup pour vos clarifications. En tant que membre du regroupement pour le parc de la Rigolade, je crois que c'est effectivement sage de reporter la démarche au printemps afin d'avoir un meilleur prix.
Merci de votre implication et de votre engagement à poursuivre les démarches pour sécuriser le parc de la Rigolade. Merci bien pour les commentaires. On attend une minute peut-être, il n'y a rien d'autre qui rentre? Je crois que Caroline est en train d'écrire. OK. Je sais qu'il y a un autre, commentaire. Là. Oui, un commentaire de Mme Suzanne Gendron. Bravo à Mme Papillon qui fait un super travail avec beaucoup de respect pour tous. Caroline ne semble plus écrire, donc j'imagine qu'il n'y a plus de commentaires. Questions ni de commentaires. Hein? Bien, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bien, je pense qu'il faut adopter la levée de l'Assemblée. Ah oui, qui propose la levée? Je propose. Oh. Oh, à la fois. Je propose Charles Guérard. Oui, j'appuie André Laliberté. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci. Bye bye. Bonne soirée.